Bonjour Yannick Oury, Marino Pouliero, Flore Pouliero. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce moment d'échange qui, nous l'espérons, fera mieux connaître la clinique de Laborne, qui se trouve à Courcheverny, dans le département du Loir-et-Cher, à 14 km de Blois. Je rappellerai quelques dates pour situer Laborne. La clinique fut fondée en 1953 par le docteur Jean Oury, qui exerça jusqu'en 2014, date de l'année de son décès. La clinique de Laborde a fait partie des quatre cliniques qui ont représenté en France la psychothérapie institutionnelle. Il y a la clinique de Laborde, la clinique de la Chênaie, Sommery et Fréchines. Aujourd'hui, elles ne sont plus que trois, voire peut-être deux, puisque j'ai appris et nous avons appris que la clinique de la Chênaie était en cours de restructuration. Donc, plus que trois à tenir ce pari de psychothérapie institutionnelle. C'est pour mieux connaître son histoire, son parcours et son actualité que nous vous avons sollicité. Yannick Oury, fille de Jean Oury, psychanalyste travaillant à la clinique de Laborde, Marino Pouliero, directeur de la clinique de Laborde, et Flore Pouliero, juriste, directrice adjointe de la clinique qui y travaille également. Alors, je voudrais simplement, après cette présentation, que vous puissiez nous éclairer quant à l'histoire, quant à l'actualité, et puis vous nous dire un peu comment vous pourriez nous solliciter à présenter Laborde dans ces différents registres. Voilà, donc c'est à vous. Je pense que Oui, Yannick peut commencer merci. avec l'histoire. Oui, ben c'est ce que je vais essayer de faire. Merci beaucoup de nous avoir conviés à ce rendez-vous. Pour parler de l'histoire de Laborde, il me semble qu'il faut revenir sur l'histoire plus ancienne, c'est-à-dire sur l'expérience de Jean Oury comme interne à Saint-Alban. En Lozère, la clinique, enfin l'hôpital de Saint-Alban, public, hein, où il a Dirigé par rencontré, Toscaïès. Oui. voilà, dirigé par François Toscaïès. Il est arrivé donc comme interne en septembre 47 à Saint-Alban, et il y est resté jusqu'en septembre 49, donc 2 ans, et ça a été pour lui l'expérience et je dirais, j'allais dire l'apprentissage, mais oui, de son métier de psychiatre. Il avait quand même, je tiens à le dire, il avait beaucoup hésité avant d'arriver à Saint-Alban et de choisir, si on peut dire, cette voie. Il avait beaucoup hésité entre la psychiatrie et la médecine, la recherche aussi. Il avait quand même, durant ses études de médecine, mon père avait fait également un certificat de physiologie générale à la Sorbonne. D'ailleurs, il était sorti premier. Et il s'intéressait énormément à la recherche aussi, à la recherche biologique. Donc, il était hésitant par rapport à ce choix. Mais il s'est trouvé qu'en juillet 47, il est allé écouter des conférences à Rue d'Ulm, où il a pour la première fois entendu Jacques Lacan et François Toscaïès. Et il a pensé à ce moment-là, ah, enfin, des gens intéressants, hein, des gens intelligents. Et quand il s'est retrouvé à Saint-Alban en septembre 47, il était tout à fait content, parce que ça, il ne savait pas, d'y retrouver Toscaïès, qui a été pour lui, je dirais pas son maître, parce que il détestait ce genre de rapport. C'était vraiment, bon, plutôt. Oui, un ami, mais comment on pourrait dire? Je ne sais pas vraiment un maître, vous voyez.
Donc, il est resté à Saint-Alban. Ensuite, il est arrivé à Somory parce qu'il voulait se rapprocher de Paris quand même. Et qu'il y a eu une possibilité à la clinique de Somory dans le Loir-et-Cher de prendre, pas la direction à ce moment-là, mais il y a eu un poste de psychiatre qui se libérait parce que le psychiatre qui avait ce poste a été nommé, c'était un Espagnol, mais qui a été nommé à Caracas à ce moment-là, et il y avait un poste qui se libérait. Et lui tenait aussi à ce. Mon père était parisien, et il tenait à se rapprocher aussi de Paris, parce que je crois aussi qu'il avait l'intention de commencer une analyse. Et à Saint-Alban, c'était un peu compliqué, c'était un peu loin de tout à l'époque. Voilà. Et il est donc resté à Somery 3 ans. Et puis, pour des raisons que je ne vais pas développer là, parce que ce serait peut-être un peu trop long, il a pris la décision de partir de Somery et a cherché un endroit, voilà. Et il a trouvé la Borde et s'est installé à la Borde en avril 1953. Ah, Voilà. Yannick, encore une fois, dans cette histoire, il y a ce geste symbolique, hautement symbolique, qu'on rapporte, que Jean Aury est parti avec quelques patients. Mais tout à fait, c'est vrai, oui, je peux Voilà, rapporter ce ça. geste-là est important, oui. Et tout à fait, oui, à l'époque en plus. Ah Quand oui. il est arrivé à Somory, il y avait 8 malades. Et quand il est parti de Somory, il y avait 40 malades. Et puis, il n'y avait rien du tout dans le Loir-et-Cher. Enfin, ça, là, il faudrait développer, mais c'est un peu Oui. le. C'était une catastrophe, quoi. Et il a demandé à ce que des travaux puissent être effectués dans la clinique de Somory pour aménager un peu différemment le château, les chambres, les ateliers, etc. Et il avait dit, bon, écoutez, si ce n'est pas fait, si vous ne pouvez pas le faire, moi, je ne pourrais pas rester, je partirai. Et comme ça n'a pas été fait, il a dit, bon, ben, je vais partir. Et alors, à ce moment-là, son remplaçant, dans la mesure où il avait pris cette décision, son remplaçant, qui était un psychiatre que je ne nommerai pas, mais qui était un psychiatre de Sainte-Anne, est arrivé. Et Jean Houry a voulu lui présenter les dossiers des patients de la clinique qu'il allait céder effectivement sa patientèle, comme on dit aujourd'hui, et voulait un peu lui parler des gens qui étaient là, expliquer ce qu'ils avaient, etc. Et son confrère remplaçant, disons, enfin celui qui allait prendre le poste, a refusé de s'y intéresser, l'a pris de haut, autrement dit. Donc, Jean Houry n'a pas du tout accepté cette manière de le traiter lui-même, mais de traiter aussi les patients qui étaient à la clinique. Donc, il a pris la décision de partir, mais de partir avec tous les patients C'est ça. et de chercher rapidement. En cherchant rapidement un endroit où les accueillir. Mais évidemment, il n'a pas fait ça n'importe comment. Il a prévenu le Conseil de l'Ordre. Cela a été son premier geste en disant, ben voilà, moi, je ne confie pas mes patients C'est ça. à ce médecin. Voilà. Un geste Donc, éthique. ben tout à fait. Et il est parti. Alors, il fallait qu'il trouve un endroit parce qu'il a dû chercher rapidement la Borde finalement. Mais en attendant, il a pu hospitaliser certains de ses patients dans une des maternités de Blois où il y avait des lits disponibles avec évidemment l'accord du directeur de la maternité. Et puis, il en a installé d'autres dans un hôtel à Saint-Dié-sur-Loire, qui n'est pas loin de Somery, finalement. Et il a ouvert en même temps, il a loué un petit local pour continuer ses consultations, parce qu'il avait des consultations aussi extérieures.
psychiatrique. Il a continué aussi en même temps son, parce qu'il travaillait à ce qu'on appelait le dispensaire d'hygiène mentale de Blois. Il a continué aussi ses consultations hebdomadaires, là, tout en cherchant un lieu pour accueillir tout ce monde-là. Avec aussi, et il n'a pas été tout seul, hein, toute son équipe l'a suivi aussi. Et il a trouvé la Borde finalement fin mars 53. Et ils se sont installés le 6 avril. Voilà. Avec les malades et l'équipe. Voilà. C'est vrai que c'est une histoire particulière quand même. Ah ben oui. Il fallait rappeler. Et oui, oui, c'est essentiel. Voilà. Essentiel. Ouais, tout à fait. Oui, 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 tout tout à à fait. Fait. Et voilà. Donc, alors, cette histoire après a pris vraiment une ampleur parce qu'il y a eu effectivement des étapes. Est-ce que Yannick, tu peux nous rappeler les autres étapes qui ont fait qu'il y a eu, comme ça, après la création, est-ce qu'il y a eu une extension, est-ce qu'il y a eu des modifications profondes apportées au projet initial? Oui. Flore voulait dire, oui, il y a quelque chose qui me semble très important à préciser, c'est que une fois la clinique créée, une de ses premières démarches a été de faire conventionner l'établissement. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire de faire en sorte que les soins soient pris en charge par, à l'époque, ce qui tenait lieu de sécurité sociale, de façon à pouvoir accueillir des patients également, quelles que soient, je dirais, leurs conditions. Le revenu, c'est ça. Voilà, ça a été un élément important. Et on a retrouvé dernièrement dans les archives, c'était un travail intéressant, des échanges épistolaires dans les années 50 entre lui et des structures administratives du département, mais également de la région et puis également nationale. Et on voit vraiment une lutte épistolaire pour à la fois faire reconnaître l'établissement, obtenir des fonds pour engager les travaux nécessaires, et vraiment dans une grande précision, donc de façon très méthodique en fait. Donc ça me semblait important à préciser. Il y a eu vraiment un travail de fond sur le plan administratif pour faire reconnaître l'établissement et pour assurer quand même une certaine pérennité de cette aventure qui se lançait. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que ce que tu décris, Flore, c'est un peu, alors aujourd'hui, toujours, alors évidemment, ce n'est plus les échanges épistolaires, mais c'est sous une autre forme que ça se passe. Est-ce que finalement, cette mise en tension à la fois de la clinique, l'administratif et du financier perdure aujourd'hui? Est-ce que, bon, parce que je vois le doigt de Marino se lever, tu veux intervenir là-dessus, Marino? Oui, ou... parce que Oui. ça fait 15 ans, voire plus, que je me bats avec ça. Oui. Alors, il faut dire qu'il a fallu aussi remettre un peu d'ordre dans l'administration et de la gestion de l'établissement, où, à mon avis, au juste titre, on avait fait parfois plus attention à la bonté du dispositif de soins qu'à certains aspects administratifs. C'est-à-dire qu'on avait non plus les fonds nécessaires pour rénover les locaux comme il aurait fallu. Donc, moi, le problème, ça a été d'une part de mettre vraiment, d'un point de vue administratif, juridique, économique, remettre l'établissement en état de pouvoir se présenter avec les cartes en règle, parce que entre l'époque que raconte Yannick et l'époque où j'ai commencé à m'occuper de la clinique, il y a eu la fin des années 60, pas mal d'événements, même de conflits dans la clinique, où Jean Houry n'a pas pu toujours faire ce qu'il aurait souhaité faire. Et donc, ce travail-là, donc, en créant une équipe aussi, je sais que le mot n'est pas beaucoup aimé, mais de gestion, parce qu'il faut pouvoir avoir une politique de gestion si on veut s'occuper des gens. Et
aussi d'entreprendre un travail de réaménagement global de la structure d'un point de vue des locaux. Donc la clinique était entièrement rénovée, presque entièrement rénovée entre 2009 et aujourd'hui. Ça, c'est très important parce que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on ne pourrait plus travailler. Donc, ça concerne les bâtiments, le confort des malades et aussi du personnel, la qualité de vie au travail. Et ça concerne la sécurité, tout le système de sécurité incendie, tout ça a été refait. C'était un énorme travail où la clinique a réinvesti systématiquement le produit d'une bonne gestion, parce que si on n'a pas une bonne gestion, on n'a pas de fonds à investir pour la qualité du travail qui doit être fait. Et à côté de cela, il y a effectivement le problème de s'inscrire dans un contexte administratif qui est de plus en plus complexe. Alors, je résume, sans être pas trop long. À une certaine époque, on avait affaire simplement, l'établissement avait affaire avec des caisses, la caisse locale d'assurance maladie, la CPAM, ou la CRAM, la caisse régionale. À partir des réformes Juppé, je crois que ça part autour de 96, on a créé des agences régionales. Des ARS. Pour essayer d'abord des ARH, c'est-à-dire des agences régionales d'hospitalisation, qui sont devenues les ARS, c'est-à-dire que ce n'est plus que l'hôpital, c'est tout jusqu'au kiné, au médecin de base. Or, le but, c'était d'avoir une décentralisation. Ça fonctionne par moment et par moment, ça ne fonctionne pas parce que ça peut devenir aussi une forme de recentralisation, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller parler avec le fonctionnaire local de la CPAM, on doit aller prendre rendez-vous avec une structure qui est plus lourde, mais qui nous a aussi beaucoup écoutés, parce que, par exemple, en ce qui concerne l'ancienne ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation, à deux reprises, ils nous ont permis d'ouvrir un hôpital de jour, ce qui était une première pour une structure privée, et ensuite aussi de l'augmenter en capacité. Donc, on est entre l'écoute et la contrainte administrative. Je dirais que la contrainte administrative aurait tendance à augmenter, et ce n'est pas du fait de l'agence régionale nécessairement, hein, c'est tout un système qui est en train de changer. Or, par exemple, l'introduction de la certification a été un choc, parce que la notion de qualité qui nous est proposée n'a rien à voir avec ce que nous entendons par qualité dans la prise en charge des malades. Donc tout est quantifié. Alors, pour vous dire, on a des indicateurs. Tout est basé sur la notion de risque du principe de précaution, ce qui est une logique de type assurantiel. Ce qui fait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il faut définir une liste de risques et les côtés. Donc, on va multiplier la gravité de 1 à 4 par la fréquence de 1 à 4 par la maîtrise de 1 à 4. Et on obtient un chiffre qui ne signifie strictement rien parce que nous l'avons construit. Donc, au lieu de dire « on en est là hein, », on chiffre. Et donc, on fabrique une fausse objectivité, une fausse science. Je rappelle que mon cher Max Weber, qui était à l'avant-garde dans l'utilisation de statistiques, disait qu'il fallait s'en méfier même si elles étaient exactes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est toujours un commanditaire des statistiques, et que donc on ne peut pas vendre de la science. Voilà. Après, je dirais qu'on n'a jamais été maltraité. Il faut quand même défaire un mythe qu'il y a une sorte de lutte, de résistance, comme si on était en 1943 avec l'occupant, parce que finalement, on nous a toujours envoyé des commissions de certification qui ont essayé de comprendre ce qui se passait dans l'établissement. Donc, je ne dis pas que c'était un plaisir, mais on a toujours été certifié. Donc, c'est très subtil, c'est un jeu très subtil. Alors, ce qui se passe maintenant, à côté de ça, il y a plein d'aspects avec l'informatisation, plein d'aspects bureaucratiques qui ont été multipliés. Et dans l'espace de 5 ou 10 ans, on a une quantité de papier qui, loin de simplifier la production du papier, l'informatique l'a augmenté, l'a multiplié.
Et maintenant, on a affaire surtout avec une réforme du financement de la psychiatrie qui nous pose des interrogations. C'est-à-dire qu'on a une réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, dont nous ne connaissons pas encore la version définitive. Donc, on est financé pour l'instant sur une garantie annuelle qui prolonge les garanties COVID. Vous savez que tout le système de la santé a été financé par des garanties. Donc là, l'État était présent. C'est-à-dire, il y a, ce n'est pas que la psychiatrie. Hein, même dans le domaine, il y a des établissements qui n'ont pas pu respecter leur programme en chirurgie et autres pour accueillir les malades. Donc, le secteur était sous perfusion. Et dans notre cas, cela continue cette année avec tout un système de, je dirais, d'avance de caisse, de financement mensualisé. Je ne peux pas me plaindre dans le sens où ces financements sont arrivés, mais il y a des choses qu'il faut dire. D'abord que nous avons été très pénalisés entre 2012 et 2017 avec une politique de dégressivité tarifaire où le prix de journée de la clinique était utilisé comme une variable d'ajustement entre la demande et l'offre. Donc ça, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas récupéré. Après, les choses sont un peu améliorées, c'est-à-dire que la baisse tarifaire s'est arrêtée. Mais on est dans un système où actuellement, on vient d'abolir le prix de journée. Donc, nous allons avoir un financement sur la base d'un cumul de dotations. Je ne vais pas vous décliner les 8 parce que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que les deux principales sont une dotation à l'activité. Et là, au lieu d'avoir un prix de journée, c'est-à-dire une chose relativement simple, et la venue d'un patient qui est facturé à la caisse d'assurance maladie, on a des listings de présence des patients par journée, demi-journée. On prend aussi en compte l'intensité de prise en charge dans le cadre de l'hôpital des jours, ce qui remplace les anciens pays grecs. Ça s'apparente à la T2A. Ce que tu réponds. Non, parce que justement. Mais ça s'apparente. Oui, les pays grecs s'apparentaient à la T2A. Maintenant, on veut revenir sur la T2A à tous les niveaux. Oui. Donc, nous, on a simplement un listing avec si vous voulez, le nom. En principe, tout cela reste secreté, hein, c'est pas quelque chose qui circule. Mais on transmet à une agence qui s'appelle la TIH, Agence Technique d'Information Médicale, si je ne me trompe pas, parce qu'on a mis l'acronyme, qui va élaborer ces données, donc présence par journée, demi-journée, type de venue dans le cadre de l'hôpital des jours, et nous renvoyer, en principe, une dotation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore quels sont les critères concret, matériel, à partir duquel ce recalcul sera fait. Oui. Ensuite, il y a une dotation régionale appelée dotation géopopulationnelle. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique était encore en dotation globale par rapport à un hôpital, un CHU, qui était à la T2A. Donc, cette dotation va rester. On rajoute un certain pourcentage de financement à l'activité. Je pense dans l'idée d'augmenter l'efficience, comme on l'appelle, des hôpitaux. Et il y a surtout une redistribution, un réaménagement des dotations qui reçoivent les différentes régions, parce que le gouvernement, l'ensemble des acteurs, s'était aperçu qu'il y avait des déséquilibres et des régions sous-dotées. Donc, il y a eu une étude sur les caractéristiques des régions, le taux de pauvreté, la présence médicale. Je ne dis pas que c'est toujours pertinent, mais c'est difficile aussi à évaluer. Et qu'à partir de cela, ces dotations régionales ont été revues, vont être revues à la hausse avec un rythme différent selon la condition de départ. C'est une opération où il ne doit pas y avoir de perdants. Donc, ça, je vais bien leur croire. Ça va, effectivement, il y a des régions comme le Loir-et-Cher, la nôtre, qui vont avoir une évolution plus importante de la dotation parce qu'elles étaient sous-dotées. Mais à partir de cela, ces dotations régionales
va être aussi réparti entre les établissements publics et privés. Et là, on ne connaît pas encore quels seront les critères. On sait que ce seront des critères locaux. Flore pourra vous en parler parce qu'elle s'occupe de cela dans des commissions. Parce que ce financement régional sera lié à la programmation territoriale de santé mentale, c'est-à-dire aux besoins des différents territoires. Pour finir ce que je viens de dire, dans le cas de l'hôpital public, la proportion de la dotation sera prépondérante. Dans le cas des cliniques privées, la partie de financement à l'activité sera prépondérante. Mais le problème, c'est que tout cela, c'est une réforme qui n'était pas mûre ou mature et qui donc pose des problèmes parce que nous ne connaissons pas encore quel sera l'impact financier de cette réforme sur l'établissement. Donc, on vit sur un système d'acompte, de garantie, et on ne sait pas encore quel sera le montant de cette garantie pour l'année prochaine, par exemple. On est au 15 décembre. Moi, je ne peux pas faire un budget pour l'année prochaine. Je peux l'imaginer, parce que j'ai beaucoup de fantaisie, l'imaginer parce que je pense qu'on ne va pas laisser les malades mourir de faim et les employés sans salaire. Mais là, de cette considération qui relève du bon sens de ma tante... Il est constante. Qui est constante, ça relève du bon sens de ma tante, de mon cousin. Je veux dire, on peut l'imaginer bien. Je ne sais pas, étant quelqu'un de rigoureux, parce que j'ai une formation de philosophe, mais qui m'amène à être plus rigoureux qu'à la limite que certains adeptes de mathématiques, d'un certain niveau. Hein. J'ai une logique rigoureuse, et pour moi, c'est une aberration d'imaginer une année de travail de 100 personnes et d'accueil de 150 malades, sans savoir comment elle est financée. Voilà. Ça, c'est, Alors, pour faire un lien entre ce que tu viens de dire, Marino, de façon très, très précise, je t'en remercie. Et nous t'en remercions d'ailleurs de cette rigueur et de ce côté rigoureux que tu avances. Alors évidemment, la question qui vient là tout de suite est la suivante. Comment, parce que c'est aussi un peu, c'était un peu dans le propos préliminaire, que j'ai pu lire, comment cette rigueur et cette contrainte financière vit avec cette idée que nous nous faisons et que de cette clinique de la Borde qui détient pour nous en tout cas cette approche qui, en 1953, fut immédiatement novatrice et, je dirais presque, j'emploierais le terme d'une humanité incontestable, avec cette psychothérapie institutionnelle, avec évidemment, comme Yannick Oury nous l'a rappelé, beaucoup de psychiatres, analystes, sont passés, passent encore, à la Borde, à la clinique la Borde, pour à la fois s'y retrouver concernant cet accueil du patient et ce que l'on peut supposer d'une relation fondée sur des éléments que la psychanalyse a pu aussi manier, mettre en place, sur un plan institutionnel, bien évidemment. Hein, et puis, cet abord, en tout cas, contrainte du point de vue juridique, du point de vue administratif, du point de vue financier, comment finalement ce noyau initial a pu traverser les années et nous l'espérons survivre, voire même créer des projets importants à venir. Voilà, donc je laisse peut-être la parole à la juriste et la co-directrice. Rajouter un mot, si tu permets, parce que... Ah, pardon, ça... oui. Ça m'a un peu mis en cause là-dessus. Oui. Alors, je voulais répondre que la gestion rigoureuse, elle est au service de la mise en place d'un certain dispositif de soins qu'on appelle psychothérapie, hein, qu'on appelle de soins actifs, c'est-à-dire que le patient est au centre. Alors, moi, j'ai aussi une culture analytique, donc je partage avec les médecins, avec Flore, avec Yannick, l'idée qu'on traite toujours un cas individuel.
Ça nous vient de la... Je vais devoir du coup préciser alors ce que tu as peut-être entendu différemment. La contrainte financière juridique, elle vient non pas de l'intérieur de la clinique. Non, je mais... parlais du cadre général et de la politique de soins aujourd'hui, qui semble, de mon point de vue, puisque praticien comme je suis, praticien comme nous sommes, nous constatons la contrainte qui nous est faite et qui parfois nous oblige à nous éloigner un peu trop des fondamentaux sur lesquels nous avons coutume de travailler. Voilà. C'est pour ça que je m'empresse de rectifier. Avant de passer la parole à Flore, je voulais préciser que, à mon avis, il n'y a pas contradiction entre la rigueur dans la gestion, dont le but c'est d'avoir de mieux utiliser le peu de moyens qu'on nous donne pour pouvoir mettre en place ce type de psychiatrie, et que il faudra qu'on revienne après dans une deuxième partie de l'interview sur sur quel type de travail on fait, qu'est-ce que ça veut dire. Bien entendu. Mais ce qui est sûr, que la contrainte financière pèse, mais à mon avis, le travail, c'est vrai que le fait de nous avoir coupé les fonds entre 2012 et 2017 a créé des problèmes. Bien entendu. Mais on a toujours essayé de le prendre en charge sans pénaliser l'aspect des soins. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais pour l'instant, je pense qu'on a, c'est quand même pas rien, dans une période de disette financière, d'avoir réussi à maintenir le navire, entièrement la clinique, rebâtir le navire et conserver. Alors, il y a certaines choses qui ont été modifiées. Par exemple, dans l'organisation du travail, on a mis un peu plus de rigueur, mais en conservant un principe qu'on appelle la co-construction, c'est-à-dire que les emplois du temps sont co-construits avec les équipes. Parce que personnellement, je pense que le travail doit s'organiser à partir du travail et pas des hautes sphères, mais avec aussi des contrôles et une manière de pouvoir avoir une organisation qui réponde à la continuité des soins. Parce que toute l'organisation est destinée à assurer la continuité des soins des malades qui sont pris en charge. Après, je passe la parole à Flore, qui est très impliquée dans ce qui peut nous assurer une pérennisation, c'est-à-dire au niveau du travail territorial. Merci. Oui, pour compléter ou insister sur un élément qu'annonçait Marino, un élément de contexte lié à la clinique, on a une très grande majorité de patients qui est en situation de précarité sociale, qui nous sont adressés très majoritairement par des médecins des établissements publics de psychiatrie. Et en tant qu'établissement privé, donc financé exclusivement par l'assurance maladie et les mutuelles complémentaires, même si on le souhaitait, et ce n'est pas dans le projet, mais même si on le souhaitait, on ne peut pas proposer à ces patients comme on dit, des prestations qui permettraient d'avoir de meilleurs financements par rapport à d'autres établissements privés qui peuvent le faire. Par exemple, faire payer une chambre individuelle un petit peu plus cher. Bon, ça, c'est pas concevable parce qu'il y a aujourd'hui, d'une part, c'est pas le projet de soins, et puis d'autre part, il y a une majorité de patients aux minima sociaux. Et pour souligner ce que disait Marino également, je dirais que plus on veut laisser de souplesse dans le soin, plus on veut laisser de possibilités d'initiative, plus il faut que la gestion, avec un budget limité, soit rigoureuse. Bien entendu. Voilà, et ça, c'est un élément qui, effectivement, est parfois difficile à comprendre parce qu'on se dit, bah, évidemment, une stratégie de soins et d'organisation souple, on imagine en face une gestion souple. Mais en fait, c'est l'inverse. Si on veut de la souplesse, il faut assurer une rigueur, une grande rigueur de gestion. Alors après, sur la politique de santé, sur les contraintes administratives, également pour reprendre ce que disait Marino, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, on avait des interlocuteurs. Des interlocuteurs incarnés, c'était telle personne qui travaillait à l'ARH, c'était telle personne qui travaillait aux caisses. Et avec la création des ARS,
il y a quelque chose qui s'est un peu dépersonnifié. Et d'ailleurs, les fonctionnaires des ARS ne restent pas très longtemps en poste, avec l'idée quand même qu'il ne faut pas qu'ils s'attachent trop aux établissements. Pas de et donc, transfert. Voilà, il y a un turnover très important qui a impliqué un moment de construire des relations solides avec l'agence, avec d'autres partenaires sur le territoire, parce qu'il n'y a plus cette possibilité de dialogue qui pouvait exister. Il y a maintenant une ARS qui parfois est un peu perçue par les acteurs de santé comme un établis, alors que ce n'était pas le projet initial. Des relations qui sont à construire, ce qui demande en fait beaucoup plus de temps aujourd'hui. Flore, Oui. est-ce que ça rejoint un peu ce que moi-même j'ai pu vivre quand j'étais médecin responsable d'un CMP? C'est que je ne me souviens plus de la date exacte, mais j'avais coutume avec la direction générale de l'association de monter une fois par an à la DAS, à l'époque c'était la DAS, pour partager en tout cas nos demandes, voir ce que la DAS pouvait effectivement mettre en face de nos projets. Et puis, une année, je ne me souviens plus quand, nous avons reçu un télégramme, ça s'était passé comme ça, où la DAS, ou le DAS, parce que c'était à l'époque on l'appelait le DAS, le directeur de la DAS, nous a informé que ce type d'échange n'aurait plus lieu et que on est passé des propositions qu'on nous demandait de faire sur le plan territorial, de projets d'appartements thérapeutiques, etc. Et nous montions, comme on dit à la DAS, pour plaider nos projets, après, dans l'attente évidemment d'un arbitrage financier, mais ça s'est inversé, à savoir que c'était un appel à projet, c'est-à-dire que ce n'était plus le terrain qui, effectivement, au vu de la clinique de terrain, laissait entendre ce qu'il nous fallait, nous, cliniciens, pour accueillir les patients, mais que c'était la commande administrative de la DAS qui nous disait, mais nous avons besoin sur le plan territorial de ça et pas de ça. Donc, on a inversé le sens. Plutôt que de monter, ça s'est inversé, c'est-à-dire que ça descendait vers les cliniciens que nous étions. Et après, je n'ai plus du tout eu ce dialogue que j'avais eu pendant quelques années avec la DAS. Ça ressemble un peu à ce que tu En décris. effet. Alors, peut-être que c'est un peu forcé, puisque moi, ça date, hein, Non, mais mon en histoire, effet, oui. je crois que c'est en tout cas quelque chose qu'on peut mettre en parallèle. Et aujourd'hui, il y a comme un double mouvement qui n'est pas simple à décrypter, Oui. puisqu'il y a à la fois des orientations en termes de politique de santé mentale, dit de politique de santé mentale volontairement, puisque la notion de santé mentale est venue quelque part un petit peu gommer ou en tout cas englober la psychiatrie. Avec d'ailleurs un mouvement comparable dans le champ du handicap, où le handicap est venu aussi gommer la problématique psychiatrique, en tout cas l'englober. Et donc au niveau national, ce qu'on constate, c'est quand même des orientations en termes de politique de santé mentale qui sont très définies en termes de définition de ce que doit être le soin psychiatrique aujourd'hui. Ce qui, effectivement, laisse assez peu de place pour la liberté aussi, mais d'un point de vue médical, d'une stratégie de soins, avec un exemple saisissant, c'est la réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, en soi, c'est une idée. On peut imaginer différents moyens d'y parvenir. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'il y en ait des définitions différentes. Et aujourd'hui, la réhabilitation psychosociale, c'est une définition avec un cahier des charges d'une précision inouïe. Et on ne peut pas être financé sur ce type de dispositif si on ne répond pas précisément à ce cahier des charges. Et ça, ce sont des appels à projets nationaux. C'est ça.
De la même façon qu'il y a des grandes orientations qui sont données au niveau national, par exemple le virage domiciliaire. Le virage ambulatoire, le virage domiciliaire, c'est une grande orientation nationale, énoncée dans des termes très généraux qui ne prennent pas forcément en compte le fait que y a des personnes qui ont besoin de l'institution, parfois même au long cours. Absolument, oui. Et parallèlement à ce, donc à cette, quelque part, à cette centralisation quand même assez forte de la définition du soin, il y a en même temps, depuis 2016, une volonté, je crois quand même une volonté politique, de permettre aux acteurs de santé mentale, de psychiatrie dans les territoires, mais dans des petits territoires à l'échelle départementale, de se saisir du sujet de la santé mentale et de définir ensemble des projets territoriaux de santé mentale. Alors, avec une marge de manœuvre réduite, puisqu'il y a des grandes orientations qui sont données, mais quand même, on voit là une ouverture. Et si je prends l'exemple du Loir-et-Cher, donc notre département, pour avoir suivi ces travaux depuis 2018 et présider aujourd'hui la commission de santé mentale qui les a élaborés, il y a eu quand même un mouvement de rapprochement, de dialogue entre le public, psychiatrie publique, psychiatrie privée, sanitaire, médico-social, champ social, et qui a quand même permis une réflexion commune, alors certes dans des termes qui sont peut-être un peu éloignés de la psychothérapie institutionnelle, mais qui nous appartient, je crois aussi, de traduire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne fait pas cet effort quand même de traduction, d'ouverture et d'une relative tolérance vis-à-vis de langages qui ne sont pas forcément très proches du nôtre, en fait, on reste totalement isolé. Il y a vraiment nécessité aujourd'hui, je crois, de sortir aussi d'une image dont Laborde a pu souffrir un moment où, de l'extérieur, les gens imaginaient que c'était un lieu où seuls des gens d'un grand niveau intellectuel, par exemple, pouvait travailler, ce qui n'a jamais été le cas. Mais disons qu'il y a aujourd'hui vraiment nécessité de pouvoir élaborer, je crois, à l'échelle du territoire, des solutions de concert avec d'autres établissements. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, ce n'est pas simple quand un patient est accueilli chez nous et que son état ne permet plus de le contenir. C'est pas simple de trouver des solutions sur le territoire pour une hospitalisation d'office parce que parfois il n'y a pas le choix. Et ça s'articule pas et on atteint même parfois un degré de non-confraternité entre médecins qui est inquiétant parce qu'il y a, ça va être parfois je dirais pas peut-être des préjugés sur la pratique institutionnelle. Parfois peut-être que on n'a pas fait preuve non plus de suffisamment d'ouverture vis-à-vis des problématiques du secteur public de notre département. Donc là, je crois vraiment un travail de coopération, de dialogue à nouer, et qui d'ailleurs va avec, parce que y a quelque chose d'assez paradoxal, il y a à la fois des orientations nationales qui ne vont pas tout à fait dans le sens, pas tout à fait dans le sens de la pratique institutionnelle, c'est une façon de le dire, voilà, ou même pas du tout parfois. Et en même temps, il y a un regain d'intérêt des acteurs, en fait, de terrain, des professionnels, des structures pour cette pratique. Et on est énormément sollicité, par exemple, par des foyers, par des structures médico-sociales, par des EHPAD, nous disant ce que vous faites nous intéresse. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ce qui est lié aussi à ce que vous connaissez bien, est-ce que tu connais bien, Émile, au phénomène de désertification médicale? Parce Bien que entendu. aujourd'hui, un rendez-vous en CMP, c'est 6 mois. Oui, non, c'est plutôt 3 ans, voire enfin Voilà. minimum 1 an, voire 3 ans. Dans notre département, la moyenne, c'est 6 mois.
Donc, il y a en tout cas, moi, j'ai cette implication dans une instance de démocratie en santé qui s'appelle le Conseil territorial de santé, donc à travers cette commission qui est de santé mentale, qui est une commission de ce conseil. J'ai vraiment le goût de travailler avec d'autres établissements, d'autres acteurs, et l'idée qu'on peut quand même, à l'échelle d'un territoire, améliorer l'accès aux soins, notamment en santé mentale, contribuer à améliorer l'accueil des personnes qui souffrent de troubles psychiques dans les services de médecine. Il y a un travail énorme qui est à faire. Et en tout cas, pour en venir à mon propos initial, il y a quand même quelque chose au niveau national qui a été déconcentré vers les territoires avec l'idée que les acteurs s'emparent quand même de ces questions. Ce qui C'est n'a vrai. pas été simple au début parce que plus personne n'avait l'habitude de donner son avis. Oui. Parce qu'on a... Là où je te suis, c'est rapidement, il se trouve que depuis un an, je travaille dans un milieu hospitalier, au 15-20, pour le nommer, puisque je travaille, j'ai des heures dans la consultation douleur, ophtalmo, et immédiatement, au bout d'un mois de fonctionnement, alors que ce que tu décris, ce que vous décrivez, Marino, Yannick, toi, Flore, cette espèce de rigidité de posture impliquée par ces données financières, administratives qui sont servies largue à main nue tout au long de l'année, le fait de venir simplement dire que ce malaise dans lequel chacun se trouve peut être l'occasion d'échange et de dire que ce n'est pas du tout évident et que ce que ces pratiques financières administratives ont certainement leur utilité, mais servent relativement peu à entendre le désarroi dans lequel effectivement les tout cliniciens se trouvent plongés, y compris les ophtalmos ou les anesthésistes, Absolument, oui. fait que ils viennent dans mon bureau, toquer à la porte, réclamer qu'il y ait des échanges sur des choses qu'ils ne comprennent pas et que les structures, je dirais, un peu trop contraignantes, ne viennent en rien expliciter. Donc, toute cette souffrance, la douleur, moi j'en ai conclu que la consultation douleur, elle n'est pas forcément là où on voulait me la pointer, m'a pointée, elle était à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la fonction que j'occupe, c'est-à-dire évidemment dans les à côté que j'entends régulièrement quand je m'y rends, quoi. Voilà, ça rejoint un peu cette conviction que cette contrainte financière administrative, si on s'approche des gens avec l'idée que leur désarroi est quelque chose que l'on peut partager, fait des fois des ponts assez extraordinaires. Et je voulais rajouter un mot parce que il y a quand même, en fait, c'est un vrai pavé de réforme qui nous est arrivé. Je laisse de côté celle du ticket modérateur parce que c'est notre embrouille, ce n'est pas facile du tout. Il y a une réforme des autorisations. Alors ça, c'est pas rien. Ce n'est même pas le financement, c'est le droit d'exercer. À ce niveau-là, on sait que ces autorisations, donc c'est une réforme qui entre en vigueur en juin de l'année prochaine, Ah oui. et dans la pratique, ce sera fin 2023-2024, et que il faudra, pour être autorisé, rentrer dans le cadre d'un plan régional de santé et de la programmation territoriale dont vous parlez, Flore. Donc là, ça devient un enjeu vital. Être dans ce réseau territorial devient vital avec un double aspect. Un aspect de contrainte, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, pour le dire de manière un peu abrupte, vous trouvez en face d'intérêts ou de logiques politiques qui vous pénalisent, mais c'est aussi une occasion, une chance, si vous savez trouver un espace de parole avec des interlocuteurs qui ont le même problème sur le travail. Parce que l'actualité de la psychothérapie institutionnelle, alors là, on nous a dit, on entend que dans les hautes sphères, on veut
pas trop en entendre parler. Hein. Moi, j'entends dire la DGOS, on ne veut pas trop entendre parler de psychothérapie institutionnelle, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais au niveau des gens qui sont confrontés aux problématiques de prise en charge des malades sur le territoire, il y a un regain d'intérêt, même par défaut. C'est-à-dire que même, à la limite, même si on n'a pas lu tout Jean Horry ou tout ce qu'il y a, on est dans un tel désarroi qu'on peut revenir à cette ancienne référence qui correspond encore à une pratique actuelle. Alors, j'ai une requête. J'ai une requête. Je suis désolé, moi je dois partir. Je dois... Dans combien de temps? Donc, si vous voulez, moi je peux laisser l'enregistrement. Non, c'est-à-dire que moi, pour le dire franchement, je ne m'y connais absolument pas. Sans Lorenzo, je suis paumé de chez paumé. Ce qu'on peut faire peut-être, alors, pour effectivement, je ne savais pas qu'il y avait cette contrainte pour Lorenzo. A priori, il y a tellement de choses à se dire que peut-être. Peut-être qu'on peut. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on va peut-être, hein, avec. Voilà, on a entamé, on a fait une première approche. Très bien, et puis on voilà. peut continuer. Voilà, c'est-à-dire qu'on a abordé des sujets très intéressants, bien évidemment. C'est une mine d'informations aussi, d'échanges, et on a besoin d'en parler parce qu'on. On pêche dans différents registres d'une actualité brûlante. Ce que je vous propose, c'est on va clore momentanément oui, là, tout à fait. Et puis se donner peut-être rendez-vous, peut-être oui à la rentrée ou fin janvier. Oui. C'est un peu à vous oui, de nous dire, bien. Hein, avec bien. Déjà peut-être un envoi de ce que on a pu enregistrer. Oui, très déjà. Bien. Et puis, peut-être de pointer la fois prochaine. Moi, je sais que rapidement, ce qui m'intéresserait, c'est sur le plan gestion, les choses ont été admirablement dites. Et puis aussi, cette conjonction psychothérapie institutionnelle et puis le cadre et contraintes financières et administratives. Ce qui serait bien, c'est peut-être de dire, peut-être rentrer plus dans la pratique de la bien sûr, elle-même. Non, mais tout à fait, dire, là, on n'y est pas comment, rentré du tout. Voilà, là. Comment oui. les patients qui rentrent sont finalement immergés accueillis. Dans un milieu qui c'est s'éloigne ça, absolument. De quelque chose de très, très borné aujourd'hui dans certains hôpitaux pour rentrer dans quelque chose où l'héritage d'Houry et de la psychothérapie institutionnelle, Toscaïès, Sivadon, oui, Bonafé, tout à enfin fait. Tout ça, tous et ces puis moi, gens-là. je voulais ajouter, si tu Oui. aussi, Vas-y, enfin, vas-y. ajouter pas maintenant, mais Oui, développer oui. ça autrefois, c'est comment aussi la borne a été le terrain, bien sûr, du soin des patients, mais aussi un lieu où les gens sont venus. Il y a eu des ethnologues qui sont Tout à passés. fait. Il y a eu aussi le séminaire de mon père qui a duré 41 ans chaque semaine, qui était ouvert. Qui était ouvert aux patients, qui était ouvert à qui voulait venir, de l'extérieur, de l'intérieur, et quand même, ça Oui, c'est particulier. absolument. Hein. Et moi, j'y ai assisté 41 ans quand même. et qu'il y a eu à partir du séminaire de la Borde, le séminaire de Sainte-Anne. Oui, Hein, absolument. voilà. Avec Et Jean M. Avec Jean M. Et comment Absolument. cette formation, enfin cette possibilité de formation avait lieu sur place aussi. Voilà, tout à Voilà. fait. Et ça Tout me à paraît fait. important aussi de Et dire là, ça que, sera intéressant. Oui. Tu vois, il y a bien sûr Alors là, il l'abord va partir de thérapie. urgemment. Donc, Bon, merci mille fois. Est-ce qu'on pourrait. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Et on prend date pour fin Au janvier, par téléphone, on exemple. s'appelle. Attendez, parce que. Absolument, on se téléphone. Et D'accord. je vous envoie les liens pour visionner les autres vidéos de la chaîne. OK. Hein? Bon, merci, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne À fin bientôt, Yves. d'année. Bonne fin Oui. d'année. Bonne fête. À bientôt. À bientôt. Baci a tutti. Baci. Baci a braccio.